Et si, pour changer le monde, on commençait par agir ensemble sur les territoires? Voici Elodie. Elle aime jardiner, mais elle n'a pas de jardin. Elle a entendu parler des jardins partagés et aimerait en créer un avec ses voisins pour récolter ses propres légumes. Ne sachant comment s'y prendre, elle contacte le groupe local Colibri du Bourg pour leur demander conseil. Il l'aide alors à organiser son projet, à trouver un terrain et à motiver ses voisins pour monter ce jardin. Elle peut enfin, avec d'autres jardiniers en herbe, démarrer son potager partagé. Lui, c'est Aslan. Il aime le nougat, mais pas celui des supermarchés nocifs pour l'environnement. Il aimerait bien consommer plus local, plus naturel, mais voilà, il n'y a pas d'alternative dans son quartier. C'est à une rencontre publique organisée par le groupe local Colibri qu'il découvre d'autres personnes qui voudraient, comme lui, consommer différemment. Ensemble, ils se sont revus et ont décidé de créer une épicerie coopérative qui profite à toutes et tous et qui vend un délicieux nougat local. Et voilà Minelza. Elle, ce qu'elle aimerait, c'est vivre dans un monde où l'argent n'est pas plus important que l'humain. Elle a beaucoup manifesté pour ça et aujourd'hui, elle voudrait faire quelque chose de concret. Lors d'un ciné-débat organisé par le groupe local Colibri de son village, elle a découvert ce qu'était une monnaie locale et a aussitôt rejoint une association qui en propose une dans son secteur. Depuis 2007, les groupes locaux Colibri vous inspirent, vous relient à des projets, des personnes et soutiennent l'émergence de nouvelles initiatives de transition sur les territoires. Les Colibri, c'est Marina, Olivier, Philippe, Anne, mais encore Emma, Marie-Annick, Ossine, Jade et des centaines d'autres bénévoles formés et accompagnés par le mouvement Colibri.